moto, j'arrive à la faire t'aller, ça y est, c'est le sbeul. Il y a v'là du monde. Une heure pour faire les deux derniers kilomètres là, jusqu'au parking, franchement, en voiture, la misère. Donc, j'essaie de pas trop me plaindre, mais ça fait pas trop plaisir. Donc je suis enfin arrivé, on va avoir une après-midi de démo en vol. J'espère que ça va être bien, normalement il y a du programme à la faire t'aller, mais bon, on verra. Ouais, je suis venu pour ça, les gars. Ben voilà, il y a des gens, mais il n'y a pas d'avion. C'est quand même dommage. Un meeting sans avion. Je suis impressionné de la vitesse de l'Epsilon. Il vient de nous faire un passage rapide, là. Je pense qu'il y a à peu près 300 chevaux dans les Epsilon, là, de l'armée de l'air. Là. Mais il trace, c'est un truc de fou. Il devait être au moins, je sais pas, 200 nœuds, un truc comme ça. 160, 200 nœuds. Très rapide. Là il est en vent arrière, il va à terre. Sont envolés.
Superbe tonneau envoyé et emmené par le leader avec dans la colonne, et bien vous pouvez voir 5 et 6, à peu 5 et 6 qui viennent. Et attention, boucle. Seul le pilotage compte, et c'est pour cela que cet entraînement hivernal est devenu dangereux. Évolue à 8 appareils, 8 avions en réaction à moins de 2 mètres les uns des autres, ça vient de faire une chose aisée. Et si l'apparent simplicité vous est démontré, écrit enfin de figure où chaque pilote effectue un roule de son côté pour. Et le mirage de TF1 et un ancien instructeur sur Alpha 2. Pensé par l'équipe 2024.